Compte rendu de la mission spéciale, phase 1. Ici Marlowe au rapport. Nous devons livrer une terrible guerre. Une guerre dont les humains ne sont même pas conscients. J'ai rassemblé un commando spécial afin de lutter contre les démonites. Mon équipe est maintenant pratiquement au complet. Il ne manque plus que le dernier membre. Mais les démonites l'ont localisé et veulent le trouver avant nous. Je prie pour que mon équipe arrive à temps. Ah ah, la société Renault Bryce. C'est vous, Renault Bryce? Qu'est-ce que vous fichez ici? Cher monsieur Bryce, vous êtes un artiste de la lame. J'ai d'autres talents. Je suis ceinture noire de karaté. Yeah! Attrapez-le! La chasse est ouverte! Ne le laissez pas s'enfuir! Il ne faut pas qu'il sorte de cet immeuble! Mais qui sont ces affreux? Qu'est-ce qu'ils veulent? En tout cas, je ne vais pas les attendre! Oh, oh mon Dieu! Accélère, Grifter! On est déjà hyper en retard! T'excite pas, mon vieux Spartan! C'est une véritable galère d'aller chercher ce maudit Renault Bryce! Je signale que ce sera encore plus la galère si nous arrivons en retard! Je dois échapper à cette bande de débiles! Ça devient de plus en plus bizarre. Il faut l'arrêter, tout de suite. Laisse tomber ton flingue, mon petit grifteur. Sers-toi plutôt de ta science des arts martiaux et de ta tête. Oh, je t'en prie, qui est-ce qui t'a sauvé la vie la dernière fois qu'on a affronté ces voyous? Dépêche-toi! On a du boulot! C'est dommage! Juste au moment de la sieste! Oh! Oh! Oh non! Il y en a partout! Et attends! Nous, on était potes! Ce sont des démonites. Il est trop tard. Les démonites sont après lui. Ne t'inquiète pas, petite. On va se débarrasser de ces clowns de l'espace. Oh non. Ah! Ce sont des démonites. Une foule entière de démonites. Décidément, on ne peut faire confiance à personne ces jours-ci. Je m'en occupe. Du calme, Zilote. Tu n'y arriveras pas sans moi. Te fourre pas dans mes pattes, Grifter. Vous voyez, mon cher monsieur Bryce, nous nous retrouvons toujours. Maintenant, Renault Bryce, prépare-toi à être l'un de nous. Encore faudrait-il me demander la permission. Allez, allons-nous-en vite d'ici. Mais vous êtes complètement fou. Maul, va les chatouiller un peu. Enfin, job à ma taille. Je sortirai grandi de cette aventure. Une petite claque en plein dans le mille. Comment faites-vous ça? Humainement, c'est complètement impossible! Mais qui t'a dit qu'on était humain?
maintenant, à la maison! Décolle, Grifter! Chef, je t'en prie! Ce n'est pas grave. Je peux suivre les activités de nos petits camarades à distance. Alors, est-ce que c'est bien lui? Oui, il présente tous les signes. Et qui êtes-vous, mademoiselle? Nous l'appelons Void. C'est un ordinateur vivant. J'en ai vu des ordinateurs sur ma planète, mais aucun ne ressemble à ça. Void ne vient pas de cette planète, monsieur Bryce. Oui, bien sûr. Et à part ça, vous faites quoi dans le quartier? Mon nom est Jacob Marlowe. Vous êtes ici, mon cher monsieur, au quartier général de mon entreprise. Ah bravo! Et vous êtes spécialisé dans le kidnapping? Et toi, mon petit gars, je te conseillerais de la boucler. Que ça vous plaise ou non, vous arrivez en pleine guerre, Reno. Une guerre aussi vieille que l'humanité. Il y a de cela plus de 10 000 ans, alors que les hommes dessinaient encore sur les murs des cavernes, deux vaisseaux extraterrestres se sont écrasés sur Terre. Un de ces vaisseaux transportait les derniers démonites, une race cruelle qui régna un jour sur toute la galaxie. L'autre vaisseau transportait des kérubines, de nobles guerriers qui avaient combattu les démonites et ramené la paix dans toute la galaxie. Les kérubines s'intégrèrent harmonieusement à la race humaine. Alors que les démonites entreprirent une conquête sournoise de la planète Terre, au fil des siècles, les kérubines perdirent la trace de leur ordinateur humain, Void, que j'ai retrouvé il y a 2 ans. Void m'a expliqué le plan des démonites. Ils constituent une menace pour la Terre et l'univers tout entier. J'ai immédiatement décidé de réunir les descendants des kérubines et de former une équipe invincible, le Commando Spécial. Belle histoire, monsieur Marlowe, mais j'aimerais retourner dans la réalité. Reste! Elle a raison. T'as pas encore entendu la fin. Vous êtes un descendant de ce groupe de kérubims qui ont atterri ici il y a quelques milliers d'années. Vous avez en vous la puissance extraterrestre des kérubims, c'est un cadeau magnifique. C'est n'importe quoi. Je ne suis pas un clown de l'espace. Le temps est venu de libérer ton fantastique pouvoir, Elohim, et de vivre enfin ta véritable destinée. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Toi, t'as de la chance. Ils t'ont pas fait de la gonflette. Il est plutôt mignon, pas vrai? Oui, j'aime bien le costume. Ça commence à bien faire. Mais dites-moi, ce petit gars a l'air d'être une fine lame. Vous avez fait de moi un monstre. Attention, ça coupe. Tu dois absolument te calmer pour maîtriser la force intérieure qui t'attend. Fichez-moi la paix, d'accord? Je suis dégoûté de la science-fiction. Arrêtons-le! Tu ne peux forcer personne à entrer dans le commando spécial. Ce type est un lâche. Il n'a pas l'instinct combatif des kérubims. Toi et moi, nous sommes dans cette guerre depuis des milliers d'années. C'est difficile pour lui d'accepter en quelques secondes. Exact. Moi aussi, je me suis sauvé quand vous êtes venu me chercher. Ouais. Je trouve quand même que ce n'est pas une bonne idée de le laisser partir. Peut-être qu'il va revenir pour... Hé hey, vous avez vu ça? Ça appartient à Reno Bryce. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait que ce truc bizarre est très intéressé par toi, Void. Bon, portez-moi ça au laboratoire d'analyse. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Seigneur Inferno, Reno Bryce vient de quitter l'entreprise de Marlowe. Le récepteur de téléportation est toujours là-bas. Je crois qu'ils l'ont trouvé. Jacob, Marlowe est plus faux que je ne le pensais. Dois-je ordonner à nos hommes de mettre la main sur Reno Bryce? Plutôt, oui. Je veux cet avorton dans mon équipe et cette fois je l'aurai. Oh, j'ai du bol. Je me suis tiré des pattes de ces fous furieux sans une égratignure. Mes mains redeviennent normales. C'est déjà pas mal. Et j'ai trouvé un endroit pour me cacher. Désolé de te contredire, mon cher Reno. Il n'y a aucun endroit pour te cacher. Vous? Mais qui êtes-vous? Nous sommes tes maîtres, Reno.
Attrapez-le. Nous, les démoniques, nous ne pouvons pas survivre dans votre atmosphère. Nous devons emprunter des corps. Mais qu'est-ce que vous allez me faire? Ce n'est qu'une marque, Monsieur Price. Elle crée un point de pénétration à l'intérieur de votre enveloppe charnelle. N'aie crainte, petite créature humaine. Tout ce que je veux, c'est rentrer dans ton corps. Nous devons retourner immédiatement chez le Seigneur Inferno. C'est une espèce de transmetteur, apparemment l'œuvre des démoniques. Je le savais. Ce Reno Bryce a introduit un mouchard électronique. Si ça se trouve, il travaille pour les démonites. Ouais, et c'est pour ça qu'il s'est enfui. Et quand on a l'habitude de combattre les démonites, on ne fait plus confiance à personne. Il faudrait détruire ce disque électronique avant qu'il ne soit trop tard. Non ! C'est peut-être la clé de la prochaine manœuvre d'Inferno, et je tiens à être au courant. Quelque chose s'est passé. Explique-toi, Void. Les démonites ont pris Reno Bryce. Est-ce que tu peux le localiser? Reno Bryce est ici. Ils l'ont emmené au nord, loin au nord. Ce doit être le repère d'Inferno. Nous devons le retrouver. Et risquer nos vies pour sauver ce faucheton professionnel? Alors là, pas question. Grifter, tu sais que je sais reconnaître le vrai du faux. Reno Bryce est un type bien. Il n'a aucune envie de se battre. Il n'est pas des nôtres! Ce n'est pas une raison pour le laisser dans les griffes d'Inferno. Void, emmène-nous là-bas, vite! Mais vous êtes devenu fou! Je vous interdis de... Revenez immédiatement! Ceci est un ordre! Non mais vous m'entendez qui est le patron de cette équipe? Banzai! Bien joué, Void. J'aurais mieux fait de prendre une petite laine. En avant, les copains! Un peu d'exercice! C'est toujours comme ça que tu ouvres les portes, Maul? Ça ne me dit rien qui vaille. Il n'y a personne. Ils sont peut-être partis dans les villes. Est-ce que l'expression « tomber dans un piège » vous dit quelque chose? Ah bon, c'est exactement ça! Je n'arriverai jamais à l'ouvrir. Je dois trouver Reno. C'est notre seul espoir maintenant. Eh bien, dites-moi, on est tombé de haut. Bienvenue au commando spécial. Ceci marque la fin de la résistance Tirbil sur la planète Terre. Ne prends pas tes rêves pour des réalités, Inferno. J'aimerais beaucoup rester pour savourer ce moment, mais je dois prendre possession de votre ordinateur vivant, Boy. Permettez-moi de m'absenter. Comment va-t-il trouver Void? Nous ne serons bientôt plus là pour le savoir. Ouh là là, ça va pas être une partie de plaisir. Est-ce que quelqu'un peut arriver à briser ces câbles? Non, j'y arrive pas. Et je suis censé être le plus fort. Oh, si seulement je pouvais saisir mon glaive! Je ne sais toujours pas à quoi sert ce transmetteur, Monsieur Marlowe. Mais que se passe-t-il? J'ai perdu le contact avec eux, mais je sens qu'ils sont en danger. Libérez le prisonnier. Nous allons stocker son corps avec les autres. Certainement pas en ma présence. J'aimerais tant avoir la force des autres. Ne m'échappera pas, fillette, je te tiens. Tes pouvoirs de kérubim ne sont rien à côté de ma puissance démonique. Ah oui! Laisse-moi te montrer de quoi je suis capable, démonique chérie. Je t'interdis de me toucher, espèce de revue extraterrestre. Ah,
Tu m'as libéré. Oui, mais les autres ont besoin de notre aide. Alors, tu es avec nous ou pas? Je n'ai pas demandé à être dans cette guerre, mais maintenant j'y suis. Et je me battrai pour gagner. Formidable. Je savais que tu étais l'un des nôtres. En avant, Voodoo. Place à Megalam. Il faut absolument sortir d'ici. Oui, avant qu'Inferno ne capture Void. Je suis certain que la clé de l'histoire, c'est ce disque rouge qui est resté chez Marlowe. Ce Reno Bryce est un faux frère. Je suis sûr que c'est lui qui nous a trahis. Rock'n'roll, les copains. Megalam est dans la place. Ce vieux Megalam. J'ai toujours dit que c'était un type bien. Je te libère tout de suite, Spartan. Le démonique n'est pas entré dans sa tête. C'est normal, c'est parce que je suis un cyborg. Mais que grande créature! Va te faire voir! Allez, dehors les bestioles! Il faut empêcher Inferno d'atteindre Void. Void? Il ne peut pas l'atteindre! Mais si, à cause de ce gadget que tu as laissé à notre quartier général. Ça suffit, Grifter! Il nous a sauvé la vie! Oui, peut-être. Mais moi, je n'ai pas confiance en lui. C'est un dégonflé. Emmène-moi au quartier général des démonites. Je vais te montrer si je suis un dégonflé. Nous avons raté Inferno. Il faut le retrouver coûte que coûte. Si on utilisait ça. D'accord, mais qui a une licence de pilote? T'inquiète pas et laisse-moi faire. Tu es sûr que tu sais piloter? Je sais tout piloter, de la tondeuse à gazon à la Formule 1. Ça va être un voyage de noces. Enfin, bref. Ah bon, alors tu es un cyborg, Spartan. Je te croyais extraterrestre. Je suis les deux. Un jour, une équipe d'assassins démoniques m'a presque tué. Les techniciens de Marlowe ont transplanté son cerveau dans un corps cybernétique. Et il a survécu. J'ai retrouvé le Behemoth, le vaisseau d'Inferno. Falloir maigrir un petit peu, Maul. Moi, j'ai horreur de me sentir à l'étroit. Alarme, il y a des intrus, c'est le commando spécial. Je ne me débarrasserai donc jamais de ces satanés kérubines. Jamais, Inferno. Nous en faisons le serment. Ne criez pas victoire trop vite, mes tout petits. J'ai déjà un pied dans votre quartier général grâce à ce téléporteur. Ça, c'est grâce au disque que tu as laissé là-bas, Megalam. Grâce à lui, je peux envoyer ce que je veux n'importe où, ou ramener ce que je veux dans mon repère. Et je vais commencer avec votre précieuse Void. C'est un outil de relais pour la téléportation. Quoi? Il faut le détruire immédiatement. Void! Void! Maintenant, je peux soutirer toutes les données de votre ordinateur vivant. Je vais connaître tous les secrets de la technologie kérubine. Et avec cette connaissance, les démonites vont dominer l'univers à nouveau. Malheureusement, la ponction de données que je vais effectuer sur votre ordinateur va le détruire. Tu ne toucheras pas un cheveu de Void tant que nous serons là! Vous ne pourrez pas résister longtemps à ma puissance de feu, mes tout petits. Nous ne pouvons pas le laisser détruire Void. Certainement pas. Maul, augmente le volume. Mais qu'est-ce que tu fais? Il grandit et il va détruire ton vaisseau si tu ne libères pas Void. T'as entendu? Libère Void ou je m'énerve. Espèce de vermine, je vais te détruire, te réduire en poudre. Ce cher Maul, plus il est gros, plus il est en colère. Bien joué, Megalam. Alors, maintenant, je suis des vôtres? Oui. Mais j'ai l'impression que ce truc-là va exploser dans 5 secondes. Void, fais-nous sortir de là, vite! Je vais te donner un petit conseil, Inferno. Quand un type de 15 mètres te demande quelque chose, t'as intérêt à lui obéir. En avant!
Je déteste les kérubines, mais je prendrai bientôt ma revanche. J'ai attendu des milliers d'années pour conquérir cette planète et l'avoir à ma botte. Je ne suis pas pressé, je peux attendre encore un peu. Mais où étiez-vous passé? Vous me causez des frayeurs abominables. Désolé, monsieur, mais il nous fallait absolument sauver Void et détruire le téléporteur d'Inferno. Vous voulez dire que vous avez combattu ce diable d'Inferno? Oui, mais il a failli nous avoir. En tout cas, il semblerait que nous ayons un nouveau membre. Eh, hey, petit gars, je me suis trompé sur ton compte. Bienvenue dans le commando spécial. Merci. Il était temps qu'il y ait un vrai combattant dans cette équipe, n'est-ce pas? Eh, hey, pas si vite. En ce qui concerne la bagarre, c'est moi le meilleur. Entendu? Tu veux qu'on joue ça au bras de fer? Ça suffit, vous deux. Gardez vos forces pour les démonites. Nous avons prouvé à Inferno que nous pouvons le vaincre, parce que nous sommes enfin une équipe. Alors agissons vraiment en équipe. Merci, Grifter. Merci de m'avoir accepté. Mais je t'en prie, Megalam. Merci à toi de nous avoir sauvé la vie. À partir de maintenant, on combat tous ensemble.